Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. Merci. Avec Papou et Eric. Ah oh, frère. Attends. Oui, monsieur Marc Trooper, on est en plein tournage avec Eric. Ah, salut les copains. Salut. Tu peux dire bonjour à nos abonnés, s'il te plaît. Bonjour aux abonnés de Marc Trooper, évidemment, et Donc, on disait aujourd'hui, on vous présente le blaster de la gamme Star Wars Mandalorian. Mm-hmm. Hein, ouais. Blaster qui c'est pas le mien, c'est celui de Eric. Non, moi c'est Eric. À moi. Nous ne le savons pas, ni nous. Ni nous, le chat. Non. Ni vous, ni nous. Le petit chat. Non, attends. Pouah, là, ils se disent, mais de quoi, c'est quoi, c'est Eric et Randy, c'est les meilleurs. Oui. Alors, bon, forcément, on vient de le faire très mal, mais ils sont très drôles. Alors, on vous présente ce blaster mécanique, c'est un monocoup, mais surtout, il a une particularité, hein, donc souvent, comme bien souvent, hein, comme tous les blasters de la gamme Star Wars. Petite parenthèse, il tire des fléchettes format élite, on va les voir après, rouge de toute beauté, vous allez voir. Mais il a une particularité, c'est que c'est la copie quasi à l'échelle 1-1, quasi, hein. Je pense, oui. Ok, ouais. Du blaster de qui, Eric? Des Scout Troopers. Des Scout, avec la voix, ça fait des... Des Scout Troopers. Voilà. Des Scout Troopers. Ce sont les Storm Troopers en moto avec une armure un peu plus légère. Voilà. Moi, je les adore. Ils sont super beaux. Le souvenir que j'ai, c'est, je suis devant la télé, je suis un enfant, je regarde le Retour du Jedi et je vois Luke Skywalker qui pique une moto à ces gars-là dans la forêt d'Endor. Et il monte là-dessus, les motos qui volent. Et eux qui tirent dessus avec des petits blasters magnifiques. Alors, c'est excellent. C'est magnifique. Ouais. La course poursuite, les motos qui volent, les blasters, l'armure mythique, la combinaison de ces pilotes là, elle est juste hallucinante. Enfin, ça fait partie des armures haut de gamme que nous, enfin préférées des fans de Star Wars que vous voyez ici là. J'ai une version cosplay, c'est une version noire. Magnifique aussi. Tiré du jeu de rôle D6. Oui. C'est une version noire, armure, mais c'est une unité de commando spéciale. Mais depuis, dans les costumes et dans l'univers Star Wars, ils ont fait des armures de scout noires. Ouais. Donc on se dit quand même, toi Eric qui a connu la 501ème, d'ailleurs on leur fait un gros bisou au passage. La 501ème. On se dit que c'est peut-être une belle base pour faire un cosplay, pour avoir une réplique à refaire, à repeindre, à faire un ripen dessus, ou comme on dit, un pen job. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le lien sous la vidéo du pen job de ce blaster fait par Marc Trooper de la chaîne Air Battle Game. Qui est une dinguerie, ce petit blaster. D'ailleurs, c'est trop beau. En plus, il a enlevé le restricteur d'air. Tu peux tirer des mini fléchettes avec des Stephen, hein, des shorts d'art. Ouais. C'est claqué. C'est vrai qu'au niveau cosplay, soit c'est des impressions 3D, soit en résine. Ouais. Parce que c'est encore plus récent, plus 3D que les. Que la résine. Ouais. Et avant, les seuls qu'on pouvait trouver, en fait, c'était les jouets vintage. C'était ce qui était utilisé au début de la 501ème. Pour les groupes de cosplay Star Wars côté méchant, 501ème. Ouais. Et c'est ce qu'ils utilisaient à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai envie de te dire, nous, quand on a vu que ça sortait, on ne l'a pas trouvé en France. On l'a commandé sur un site de vente en ligne qui s'appelle BBTS, Big Bad Toy Store. Ouais. On en a acheté 3 pour limiter les frais de port et pour l'envoi, et puis la douane. Donc, c'est vrai que ça nous est revenu à peu près entre 20 et 30 balles le blaster. Bon, mais on le voulait tellement. On est fan de la licence Mandalorian. On est fan de ces personnages-là, en l'occurrence, hein, c'est-à-dire les Scout Troopers. Voilà. Ouais. Donc, c'était à voir, quoi. Donc, Eric, et à la magie du montage, j'ai coupé toutes les ficelles. Voilà, Eric, je te laisse. Tu vois comment je suis soigneux, le papou avec son petit chat. Hein, voilà, regarde, il va. J'en bave déjà. Alors, hop. Donc, le blaster est à assembler. Oh là là. Donc, une fois que, que la lunette sera clippée, elle sera définitivement clippée. Mmh. Donc, si vous voulez le modifier, le peindre ou faire un cosplay, quelque chose,
peut-être le démonter avant de le clipper. On ouais, est d'accord. Ouais. Et tu as tes fléchettes de collection, Eric, que tu vas adorer. Alors là, contrairement aux fléchettes du Mandalorian, tu vas l'ouvrir. Je vais l'ouvrir parce que elles sont magnifiques. Il y a marqué Nerf Star Wars. Alors que celles du Mandalorian qui sont argentées, qui sont très belles, hein, y a rien du tout. Même pas un logo. Ça fait plaisir quand il y a l'effort, tu vois, d'avoir en plus les fléchettes collector. Donc c'est fourni avec trois fléchettes élite, enfin format élite, rouge, hein, vous avez vu avec le petit design. C'est marqué EC-17, Scout Trooper, Soldat, Éclaireur, EC-17. Alors EC-17, c'est le nom du blaster, Eric ? C'est ça. Disney, en gros, bah oui, heureusement qu'ils sont là pour continuer cette licence. Pour les plus de 8 ans, le blaster, la boîte est très belle. Tu vois, c'est pour ça que je voulais te la découper de façon très propre parce que j'ai pas envie que tu l'abîmes. Viseur à réticule, c'est vrai qu'ils ont mis une réticule. On voit bien réticule. Et un rangement pour deux fléchettes. Alors, rangement de fléchettes sous ou la poignée. Et vous remarquerez à quel point la poignée vraiment est ergonomique. On a vraiment la trace des doigts. Ouais. C'est perfecto. Et les fléchettes, ça tient. Tu vois. Les doigts dans le nez. Alors moi, ce que je voudrais voir, donc déjà toi tu peux clipper pour l'assembler. C'est parti. Hop là. Et voilà, c'est clippé. Alors maintenant, pour le charger, Eric, comment on charge ? Après. Ouais, enfin après, mais avant, c'est plus fun, quoi. J'ai pas faux complètement, alors. Non, t'avais vrai, c'était pour t'embêter. Escroc. C'est ça. Voilà, la lunette sur le côté, comme le fameux blaster de Han Solo. Bon. Alors, tu vas tirer ta première fléchette sur le mur pour... Ah ouais, c'est parti, hein. Elle est sensible. Ça patate. Non, mais la détente est sensible. Alors là, j'appuie un peu plus. Donc ça pas trop enfoncé. La prise en main, regardez. Moi, j'ai une énorme main. J'ai du mal à rentrer le dernier doigt. Donc c'est vrai que plus souvent, on a tendance à faire comme ça. D'ailleurs, ça fait penser, ouais. Ouais. Dans les films, toute la main ne tient pas. Ouais, c'est ça. On voit deux doigts, c'est ça. Ouais. C'est bien comme ça. C'est un petit format, hein. C'est un petit blaster, c'est pas un truc super puissant. Et t'as raison, alors par contre, moi, ça j'adore. C'est... Et on ne voit pas, toi, de tirette de chargement. C'est le système qu'ils ont fait avec le monoco du premier ordre. Ouais, le premier petit blaster monoco qu'ils avaient fait. Il était excellent. Ce blaster-là, quoi. Avec le même principe. Ouais. Génial. Attention, je vois que tu as une cible là-bas. Je vais viser avec cette lunette déportée le mieux de ta cible. Donc, en fait, le fait d'avoir la lunette déportée, quand tu vises, ça va être notre test de précision parce que tu vois, c'est ça. Ça se décale de 10 cm sur la gauche à peu près. Allez, test de précision avec Eric qui va kiffer son nouveau blaster. Je suis super décalé en fait. Allez, tu vises bien avec la lunette, un peu. Oh, en plein milieu. Donc là, on est à 3,50 m de la cible. En plein milieu. D'accord, mais on a un décalage effectivement. Voilà. Mais faut voir sur la distance. Par contre, toujours le principe du monocou, t'as pas de canon qui dévie, qui freine. Ouais. C'est, si ta fléchette est neuve et propre, ça tire bien droit. Hein. Et maintenant, on passe au test de tir en extérieur. C'est parti, les amis. Allez. Pas tromper, ça sert à rien. Ça sert à rien. Comme tout à l'heure, avec le Mandalorian. Encore une pour le fun. Donc, en tir tendu, on tire entre 12 et 15 mètres. Et puis, en tirant en cloche, on a atteint un petit 18 mètres. C'est sympa. Moi, j'ai plus tendance à viser. Voilà, on n'a pas d'accroche-angle, on n'a pas de rail de personnalisation. C'est vraiment de la belle copie, la belle réalisation. On a vraiment l'impression d'être avec le blaster de la série. Donc Eric, tu avais envie de tester quelque chose parce que tu as dit que tu avais un cosplay, costume, déguisement, comme vous voulez, de Scout Trooper, mais tout en noir. Tout en noir. Et il faut savoir quoi, vas-y. Alors ça, c'est une version noire. C'est le holster qui se met à la jambe, sur la botte. De cette armure. Voilà, donc le Scout Trooper a une version blanche. Hein.
Et c'est là où se range normalement le blaster. Et je voulais tester, voir si ça fonctionnait, donc et pour éventuellement du cosplay. Et depuis que je t'ai dit, Eric, que je t'amenais ce blaster, tu m'as dit, le premier truc que je fais, c'est voir s'il est compatible avec mon costume. Ouais. Donc on va voir. Là, de à toi. Toi, on va là, là, il y a le décroché. Et, ah ouais, c'est génial. Fais-moi un petit tour, un petit 380. Ouais, ça le fait quand même. Ah, tu vas falloir que tu rénoves un peu ton armure et puis que tu nous fasses un petit plaisir. Donc, on va conclure sur ce blaster, Eric, sur ton nouveau blaster. Hein. T'es content ? Oui, je vais dormir avec. Bon, alors moi, mon point négatif principal, c'est que je n'ai pas réussi à le trouver en France au jour du tournage. C'est dommage. C'est dommage pour les fans de Star Wars et des petits blasters monocoups efficaces, c'est dommage. Et puis après, j'ai que des points positifs parce que moi, j'aime beaucoup les blasters qui sont quand même très réalistes en termes de copie par rapport aux blasters des films ou des séries Star Wars. Là, on a vraiment un truc super. Le chargement, là, quand tu charges, la tirette, cette tirette de chargement, là. Moi, j'adore. Qui est vraiment, mais caché dans le blaster. Il devrait faire ça pour tous, d'ailleurs. C'est un plaisir d'avoir un petit blaster mécanique à ressort qui tire une fléchette à la fois. On n'a pas de cadence de tir, mais on a un vrai plaisir de manipulation. Ouais. Hein, c'est sympa. C'est un blaster de scout, c'est du Star Wars. C'est du Star Wars, on est fou de Star Wars, donc nous on est conquis d'avance. On n'est pas objectif. Bah non. Et le format est à peine plus grand que l'original. Ouais. Donc on est bien. Très bien. On est bien. T'as vu ? Ça part sensible, bien, hein, la détente. Très sensible, très bien. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je sens que ça va être du bon. Un deuxième pour le peindre noir, ce serait sympa. Bah voilà, c'est ça. T'aurais dû en... Voilà. Non, il faut un pour la collecte en boîte et puis, job hein, dessus, hein, forcément. Ah, très bien, on l'a bien en main. Hein. Quand tu as compris que, comme dans la série, tu le portes à trois doigts, hein, parce que ça doit être le doigt de la force, je sais c'est pas. Deux. Hein, bah, trois doigts. Ouais, parce que, fait, tu vois, t'as trois doigts, en fait. T'as la détente. Comme E.T. Et ben en fait, une fois que tu as compris ça, je suis dans le film, quoi, je suis dans la série. Tu vois. Ah non, très bien. Voilà. On kiffe, on kiffe. En plus, tu peux le poser comme ça. Tu vois, il tient très bien. Il y a le détail. Enfin, vous allez voir les gros plans à la fin de la vidéo. Il y a vraiment du détail, il est très beau. Voilà, merci Eric. Voilà, merci Eric de m'avoir reçu, accompagné pour quelques tournages chez toi. On a encore mangé des bonnes pizzas. On fait ça quand tu veux. Voilà, je sais bien. Pas de souci. Merci en tout cas à Marc d'être passé sans le faire exprès. Ouais, merci. Alors, n'hésitez pas à commenter, partager, liker cette petite vidéo. Et on vous dit au revoir et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Merci. Yeah.